Bonjour à tous, nous sommes toujours à Paddle Horizon et avec nous les vainqueurs de la journée de ce week-end. Oui, Morgan Manarino à ma gauche et monsieur Mathieu Lapouge à ma droite. Messieurs, on va plus vous arrêter là. Est-ce que vous avez des envies d'équipe de France ? Bah nous, on est toujours à la disposition de l'équipe. Une sélection, ça ne se refuse pas. Une fois qu'on y a goûté, de toute manière, on a envie d'y retourner. On fait les efforts pour. On va tout donner. On va essayer d'aller jouer un petit peu en extérieur et puis essayer d'aller embêter les meilleurs, même si le niveau est très élevé. Mais bon, on est toujours là. Et si on peut aller en embêter quelques-uns, on continuera avec plaisir. Morgane, il va falloir que tu nous expliques ta manière de jouer, ta manière de fonctionner. On te voit faire des grimaces. Tu prépares un concours de grimaces ou quoi? Je savais pas que je faisais des grimaces, mais bon, c'était plutôt sympa. Aujourd'hui, on s'est retrouvé face à deux potes en finale, donc on s'est bien marré. On a eu du mal un peu sur la fin, parce qu'on est tellement après un peu déconcentré, à rigoler, à faire des points où on se marre, donc c'est pas toujours évident. Donc il a fallu resserrer un petit peu le jeu sur la fin, et bon, au final, on l'a emporté. Oui, sur la fin, on a senti que ça pouvait tourner, peut-être un peu trop détente, et du coup, on a senti que, oulala, il a fallu revisser tout ça, sinon ça pouvait se finir au troisième set. C'est ça. On était en totale maîtrise, tout était contrôlé. Non, ils ont bien joué, de toute manière, on savait que c'était une partie, on les connaît, on s'entraîne tout le temps ensemble, donc il a fallu être sérieux et puis conclure au bon moment, donc non, gros kiff, et puis merci à Francky qui est encore là tout son dimanche. Hein. Morgan, il faut que tu te rapproches un petit peu parce que là, plus tu continues, plus tu... D'accord. Et bon, là, c'est quoi la prochaine étape, votre programme sur les prochains tournois notamment? Cap d'Agde peut-être, non? Pour Mathieu. Cap d'Agde, ça sera pour Mathieu sans moi parce que malheureusement, d'un point de vue professionnel, je suis obligé de jouer les matchs par équipe de tennis. Donc Mathieu va aller faire le tournoi avec Maxime Moreau. Ensuite, moi... Tu n'as pas peur? Non, j'ai pas peur. J'ai confiance en mon partenaire, donc ça va. Après, je vais essayer d'en faire un au mois de juin à Toulouse, le 16 et 17 juin. Et ensuite, on aura les qualifs le dernier week-end de juin et du coup, les premiers jours de juillet. D'accord, messieurs. Ben, en tout cas, bravo pour ce tournoi. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans une semaine, si je comprends bien. Et puis, ben, nous, on se retrouve... Bah mince alors. Mince. Allez. Allez, à bientôt, merci.